Imaginez-vous qu'on nous on, on apprend du Daily Star que de nouvelles images étonnantes capturent des ovnis en forme pyramidale, grenouillant autour d'un destroyer de la marine américaine. Ça a été publié à peine quelques minutes l'incroyable vidéo et la collection de photos d'un engin sphérique envahissant un destroyer de la U.S. Navy aurait fait partie d'un briefing confidentiel organisé pour des stigmatiser le fameux problème hein, des, euh, des euh, objets volants non identifiés ou des phénomènes aériens non identifiés, comme on aime les appeler. Je vais vous laisser le lien naturellement dans la boîte de description. Des images incroyables prétendument prises par un destroyer de la US Navy ont été divulguées, semblant montrer plusieurs ovnis en forme de pyramide grouillant au-dessus d'un navire euh, ou du navire euh, dans euh, la nuit. Le cinéaste Jeremy Corbell, qui a produit des documentaires pour Netflix, a reçu de manière anonyme la vidéo déroutante de juillet 2019 ainsi que des informations détaillées sur un prétendu briefing de renseignements mené par le Pentagone sur les phénomènes aériens non identifiés. Sur son Instagram, Jerry Corbell et son site Web et sur son site Web, il, a, il affirme avoir pu vérifier leur authenticité en interrogeant ceux qui auraient pris ou qui auraient eu connaissance des événements et en travaillant avec le célèbre journaliste d'investigation George Knapp. Le clip de 18 secondes pris à bord du fameux USS Russell commence par montrer ce qui semble être trois ordres euh, euh, faibles planant. Dans le ciel, donc, on, et vous allez voir euh, ces images-là et vous allez voir aussi euh, la vidéo en question. La caméra effectue alors un panoramique pour montrer un quatrième objet avant de zoomer au-dessus pour révéler sa forme triangulaire apparente. Et on voit, c'est vraiment une forme triangulaire. Tu ne peux pas te tromper. Il semble également clignoter à plusieurs reprises et est entouré de deux autres. J'ai un petit problème, ne bougez pas. Bon, j'ai le, le lien qui est un peu défectueux. Attendez-moi. Donc, comme je vous disais, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. La caméra effectue alors un panoramique, comme je vous disais, pour montrer un quatrième objet avant de zoomer. Dessus pour révéler sa forme triangulaire apparente. Il semble également clignoter à plusieurs reprises et est entouré de deux autres formes plus pâles, bien qu'il ne soit pas clair euh, s'il s'agit simplement de reflets d'objectifs. En plus de la vidéo révélatrice, Jeremy a partagé euh, trois photos prises par euh, le USS Omaha, euh, trois photos d'un engin sphérique non identifié. Il est à noter que l'engin sphérique était soupçonné d'être un véhicule transmédium et a été observé en train de descendre dans l'eau sans aucune destruction, écrit-il. Encore là, vous allez voir, euh, il y a des images euh, de tout ça. Vraiment fascinant. Euh, C'est des gens qui ont été euh, aussi euh, et qui sont passés euh, au chaud de... Joe Rogan. Il est à noter que l'engin sphérique n'a pu euh, être trouvé lors de son entrée dans l'eau et qu'un sous-marin a été utilisé pour la recherche. Les deux incidents semblent correspondre à une histoire précédente, précédente dirigée par The Drive, dont je vous avais déjà parlé, de plusieurs destroyers envahis par des drones mystérieux au large de la Californie pendant plusieurs nuits. Je vous ai parlé de ça il y a peut-être une semaine, de ce que euh, The Drive nous apprenait. Le producteur a également reçu des informations sur un troisième... Euh, pardon, je vais vous montrer ça. Euh, sur un trois une troisième observation le 4 mars 2019 d'un pilote, un pilote de F-18 et d'un officier des systèmes d'armes. Il a affirmé euh, qu'ils qu avaient vu des images et qu'ils ont photographié des images de leur téléphone portable de ces phénomènes euh, aériens non expliqués. Hein du cockpit de l'avion de combat, les trois incidents auraient été évoqués lors d'un briefing confidentiel organisé par l'Office euh, naval euh, de l'intelligence sur la présence d'OVNI et euh, sur ces phénomènes euh, aériens non expliqués le 1er mai 2020 selon euh, Jeremy. Ceux qui connaissent le briefing m'ont dit que l'objet était euh, de déstigmatiser le problème de ces phénomènes aériens non expliqués et de promouvoir davantage de collecte de renseignements concernant les, les incursions de ces phénomènes ou de ces rencontres avec des déploiements euh, militaires actifs, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que est, ça vient d'ailleurs? Est-ce que c'est des États euh, ennemis qui ont des technologies que les Américains ne possèdent pas? Tout est vraiment euh, sur la table, mais on est vraiment intrigué et on est inquiet. S'exprimant sur son site web, un petit instant. Euh, Jeremy a expliqué le long processus qu'il a suivi pour vérifier les documents qu'il a reçus avant d'ajouter, George Knapp et moi avons pu vérifier les matériaux que vous êtes sur le point de considérer et je peux confirmer leur authenticité ainsi que le récit qui m'a été fourni. Lors de leur présentation, ce sont des photos et des vidéos authentiques de véritables rencontres militaires avec des ovnis générés pour éduquer les officiers du renseignement de haut niveau au sein de notre armée sur la nature et la présentation du phénomène ovni ou euh, phénomène aérien non expliqué. Hein, il a conclu qu'il espérait que les matériaux seront représentatifs du moment unique de l'histoire moderne, un tournant possible vers l'approche rationnelle et transparente d'investigation et d'exploration du mystère du phénomène ovni. Le Daily Star a contacté le ministère de la Défense et la Marine américaine. Pour obtenir des commentaires. Donc, on attend toujours euh, pour voir si on aura une suite à ça. Mais de toute façon, comme je vous l'avais mentionné déjà depuis longtemps, mais vous le savez, d'ici euh, maintenant, peut-être quoi, 120 jours ou à peine, même pas, euh, 90 jours, on aura un rapport qui sera remis au Congrès américain de la part du Pentagone et des agences euh, de renseignement dans l'obligation euh, et leur demandant, et c'est une obligation dans. Euh, ce projet de loi-là, de divulguer euh, tout ce qu'ils savent là-dessus. Ça va vraiment être intéressant. 2021 va non seulement être une année euh, vraiment étrange, mais euh, des plus intéressantes concernant le phénomène ovni. Je reviens.